Yo tout le monde, c'est RenLDT, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. Mais par contre vous avez vu que j'étais super actif sur Instagram et tout, sur tous les autres réseaux. Je reviens en force. Aujourd'hui j'ai deux invités très spéciales. Un spéciaux. Un grand mannequin, plutôt con. Non je rigole, c'est mon grand frère, Jordan, assieds-toi là. Ensuite on a le spécimen de YouTube qui fait rire tous ses fans, Monsieur Raglar. C'est moi. Donc voilà, voilà, c'est Edouard, vous connaissez la chanson, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo parce que vous connaissez Edouard, il aime bien parler de ça souvent, il aime bien... Et Jordan, bon, vas-y, vous le connaissez. On va faire un... Tu préfères version hot? Oh, version hot. Ouais, enfin, c'est l'application, ça s'appelle comme ça, du coup, on verra. Et en gros, moi, je pose les questions et c'est à eux de répondre. Et voilà. Non, moi je réponds pas. Vas-y, je vais y répondre, je vais y répondre. Et je veux qu'aussi vous répondiez dans les commentaires, j'ai envie de voir vos avis. Vous préférez avoir des coups d'un soir toute votre vie ou trouver et rester avec votre grand amour? Avoir des coups d'un soir. Parce que le grand amour, bah. Je préfère avoir des coups d'un soir parce que moi j'ai quelqu'un qui me lasse très vite et j'ai peur que le grand amour un jour je me lève et que je sois plus amoureux en fait. Enfin, c'est ton mood de là, genre c'est ta vision des choses en... parce que t'es jeune, tu vois. Mais moi je pars du principe que rien n'est éternel en fait, donc une relation amoureuse c'est pas pour toujours. Ouais, mais là tu vas avoir 25 ans, il est temps de trouver ton amour, genre. Moi tu me vieillis, t'es horrible. Bah non, frère, non, mais c'est vrai, non. Non, oui, mais pour moi je pars de ce principe là que rien n'est éternel, donc si vous êtes en longue relation, je préfère vous le dire, ça ne durera pas toute la vie. Attends, vas-y, vas-y. Et toi, toi? Moi je préfère vraiment trouver le grand amour. Pour une fois. Tu vois, c'est vrai, on est frères mais parce qu'on a la même vision, mec. En vrai, je pense que. Parce que moi aussi, trouver le grand amour. Ouais, il faut savoir qu'on est nous trois célibataires. Hein. Que. Ouais, mais non, DM. Bien. Non, je sais pas si vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Moi je suis célibataire. Toi, c'est célibataire? Bah oui. 85% des votes sont pour trouver et rester avec un grand amour. Alors, tu préfères avoir un micro pénis ou être éjaculateur précoce? Moi je préfère pour le premier. Hein? Je préfère pour le premier. Vas-y, vas-y. Je préfère... En vrai, non, je sais pas. Moi, je préfère avoir un micro-pénis. Mmh. Parce que vaut mieux une petite qui s'en sort facilement qu'une grosse qui reste à la porte. Mais tu sais, c'est quoi, éjaculateur précoce? Oui, c'est quand tu trucs vite. Mais excuse-moi, je préfère avoir un petit truc et bah... Ouais, moi aussi, moi aussi. Alors que vite, ça dure une seconde, t'as à peine de faire... Ah, ouh, je préfère avoir... Tout le monde préfère éjaculateur précoce, hein. 77%. Ils sont bizarres. Tu préfères envoyer accidentellement ta sextape à tous tes amis ou faire une sextape avec tous tes amis? Envoyer accidentellement à tous mes amis. Ouais, pareil. Personnellement, genre moi, tous mes amis ils m'ont déjà vu presque. C'est ce que je fais tout le temps. Je rigole. C'est une blague. C'est une blague, c'est une bête blague, je rigole. Vous avez jamais envoyé des Snapchats? Des nudes? Non, mais genre de quand vous étiez avec quelqu'un. Oh mon dieu, ma mec, tiens. Vous avez déjà, genre quand vous étiez avec une meuf, fait des snaps et envoyé ça à vos amis? On l'a tous fait, pas mentir. Non, moi non. Je sais pas qui va regarder la vidéo, donc je vais dire non. Non, moi ça, non, jamais. Tu préfères avoir le sexe le plus beau du monde ou avoir le corps le plus beau du monde? En vrai, moi c'est déjà le cas pour les deux, donc je sais pas. Non mais oula lui. En fait. Vraiment... en vrai, je pense que je préfère avoir le plus beau corps. Corps. Ou... Ouais, le corps. Corps. Non, moi le plus beau sexe, genre. Vas-y, on va voir les détails, mais voilà. Moi je pars sur du le corps, moi je pense que avoir le plus beau corps parce qu'en fait imagine que tu montres un corps bien et t'as besoin d'un cornichon mais chirurgie. Mais en vrai, refaire tout ton corps c'est relou. En vrai, ton... mais non, mais quand on dit beau corps, tu peux avoir juste un corps normal, pas avoir des abdos de ouf. Mais excuse-moi, on a non, mais ton... le plus beau corps au monde, ça veut dire que bec, dos, abdos. Ton sexe, tu vas le montrer qu'à ta meuf. En vrai, tu t'en fous. Ton corps, mais encore à la plage, t'es là, boum. On a tous dit quoi? Le plus... Toi t'as dit corps. Sexe, moi nous corps. Oui. Nous on a dit corps en vrai. Ah tu vois c'est le corps. Corps. Parce que le sexe tu montes à personne en vrai, tu t'en fous. Moi t'es à la plage tout ça. Bah, bah. Oui c'est vrai. Faire un plan à 3 avec Donald Trump et Marine Le Pen ou faire un plan à 3 avec ton père et ta mère? Ah non, hey, non, non, Marine non, Le Pen, les parents. Marine Le Pen. Marine Le Pen. Elle fait de la peine, tu fais pas ça avec tes parents, genre non. Vous vous souvenez de cette phrase? Dites-moi dans les commentaires si vous vous rappelez de Marine Le Pen, elle fait de la... Tu t'en souviens, Jordan? De quoi? Marine Le Pen a fait de la peine. Moi j'en souviens pas. Moi j'en souviens. T'as un menteur, frère. Vous avez vu ça sur votre Instagram? Eh, Marine Le Pen, Donald Trump, venez. Tu préfères faire l'amour en étant bourré ou en ayant une gueule de bois? Enfin, en mode quand t'es à la gueule de bois. Bah, j'ai déjà fait les deux en fait. Bah, bourré, frère. Bourré, c'est tellement bien.
Non, je te jure, c'est dark. C'est énervé. Non, mais bien bourré, pas bourré, tu vois. Quand t'es trop bourré, t'as l'impression. Quand t'es pompette. T'es sur un bateau, t'as la nausée et tout, mais qui veut. Quand t'es bourré. Non, mais quand t'es bien bourré, c'est dark. En attendant, bourré, wesh. Bah oui, bourré. C'est comme oui, quand t'es flex. Gueule de bois, t'as mal à la tête et là, tu vas-y. Demande Doliprane. Oui, non, c'est vrai, non, gueule de bois, c'est vrai. C'est horrible. Tu préfères ne plus manger de chocolat ou ne plus faire l'amour? Je préfère ne plus manger de chocolat. Mais quel genre de chocolat en fait? Eh, imagine là, je te ramène un Maxi Kinder Bueno White Crunch White. Ouais. Mais si on, si on te dit, si tu manges ça, tu peux plus faire l'amour de ta vie. Ah non, le chocolat, nique sa mère. Fuck le chocolat. Tu préfères sortir avec une magnifique personne ou sortir avec une personne moche mais hyper intelligente? Magnifique personne, moi, non. Les gens intelligents ça m'intéresse pas. Mais pas moche, pourquoi moche? Qui te plaît pas physiquement? Et la beauté, c'est subjonctif, hein. C'est quoi? Hein? La beauté c'est subjonctif. C'est quoi? C'est quoi subjonctif? Ça veut dire en gros c'est propre à chacun. Subjectif. Subjectif. Ouais, parce que voilà, je me suis dit aussi un peu. Non. Vous préférez les blondes, les blonds ou les brunes? Bruns. Brun. Brune. Blonde. Brune. Ah, moi j'aime tout, moi. Moi entre blonde, les deux, je dirais brun tout en fait. Moi entre les deux, je dirais blonde, mais je m'en fous de la. Des cheveux, genre, enfin moi, la couleur des que cheveux. Les blondes, capté... les brunes, elles ont un truc. Non, les blondes, elles ont. Non, les brunes, elles ont un truc que les blondes, elles ont pas. Préfère l'amour sous la douche ou dans la voiture? Moi, j'ai une smart, donc c'est mort. Donc sous la douche. En vrai, sous la douche. J'ai une smart. C'est trop petit. Moi, je réponds pas en fait. Pourquoi? Parce que c'est indiscret, genre, je réponds pas. Mais oula, on a fait une vidéo sur la chaîne d'Edouard où il parle d'indiscret. Non, mais dans une voiture, je sais pas, et dans la douche, c'est sale en fait. Tu sais que les rapports dans l'eau, c'est sale, hein. Du coup, dans la voiture ou sous la douche? Dans la voiture. Ah ouais? Et toi? Moi j'ai une smart. C'est trop petit donc sous la douche. Moi, c'est trop petit. Qu'est-ce que c'est? Sous la douche pour 69%. La voiture elle est trop petite. 69% de sous la douche. J'ai des bons goûts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, du coup, c'est moi qui vais poser la question sur ma vidéo, mais bon, moi je m'en fiche. C'est trop chaud. Moi je t'ai repris d'un monde, toi, ça me bâtard, moi. Juste du Pays-Bas, gros là. Allez, c'est carré, c'est pas moi qui vais la péter, c'est Youssef. Là, il va la faire sauter. Tu vas être dans la vidéo, Nardine? Vas-y. Vous êtes pas? C'est quoi? On répond à des questions. On répond à des. Tu préfères. Ok, là, mon meilleur pote qui a rejoint la vidéo, il s'appelle Nordine. Nordinou, il a pas de dents. Non, mais là, on dirait une pub contre le racisme. Comment ça? Non, t'as capuche, voilà. Là, mais mettez-vous bien. Ryan décale. Non, mais décale vers la caméra, frère. Voilà. C'est bon. Vous préférez vomir sur votre partenaire en plein acte ou recevoir du vomi en plein acte? Vomir. Moi, je vomis. Et je vomis. Oui. Moi, me faire vomir dessus, je sais pas. Ah, Vous préférez sortir avec une personne de 15 ans de plus que vous ou 15 ans de moins? 15 ans de plus. Ouais, 15 ans de plus. Moi, 15 ans de moins. Hein. Ah! Bah, sachant que t'as 15 25 ans, déjà. J'ai 25 ans, 15 ans, ça fait 15 ans. Bah non, ça fait 10. Bah ouais. Ah non, non. Ouais, toi, il est maths. Les calculs sont pas bons, chacun. Ouais, okay, vraiment. Non. Moi, je préfère sortir avec une fille qui a 35 ans. Hein. Ouais, moi aussi. Pour le normal. Vous préférez avoir une super relation amoureuse, genre vous êtes vraiment. Un putain de couple, mais du sexe pourri, ou une relation pourrie, mais avec du super sexe. Relation pourrie avec du super sexe. Non, moi, relation avec du sexe nul. Bête de relation avec. Ouais, bah. Enfin, ouais, moi aussi. Ouais. Quoi? Vous préférez ne plus jamais faire l'amour ou ne plus jamais tomber amoureux? Oh, oh là là, ne plus jamais tomber amoureux. Bah, logique. Je m'en bats les couilles, fuck. Ouais, moi. Pareil. Et toi? Ne plus tomber amoureux. Vous préférez faire que des plans à 3 ou ne plus jamais faire l'amour? Wesh, mais c'est après ça tourne autour du sexe, je vous pense. C'est que ça, c'est ça la vidéo. Arrête de faire le halal toi, frérot. Voilà. Tourne ton halal toi. T'inquiète, t'as regardé la vidéo. Qui? Gisèle. Gisèle. Vous préférez que votre partenaire vous tombe avec une personne du même sexe ou une personne du sexe opposé? Opposé. Quoi le. Du même sexe, wesh. Et opposé, c'est par exemple lui, c'est avec une meuf. Mais non! Bah si! Sexe opposé! Trop de balles! Ah ouais, merde, du même sexe! Du même sexe! Je préfère me tromper avec une meuf! Ah oui! Attends! Par exemple, si ma copine elle me trompe avec une personne du même sexe et une meuf, sexe opposé, c'est un mec! Moi du même sexe, je veux qu'elle me trompe, moi aussi du même sexe! Rien de là! N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires vos avis par rapport au tu préfères qu'on a fait! C'était un kiff de faire cette vidéo avec mon frère, Nordine qui arrive à la fin! Et Edouard, on a fait une vidéo sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller, c'était très drôle. Voilà. En fait, on a fait un grand débat sur nos meufs ont le droit d'eux. Moi, je reviens à 15 000 likes.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche. Je suis désolé d'être inactif, je reviens en force. Là, c'est sûr. Je vous fais de gros. Je vous embrasse, je vous mets la chaîne de Jordan en barre d'infos. Il a pas de chaîne. Je vous mets l'Instagram de Jordan en barre d'infos sur Andordine aussi. Et la chaîne d'Edouard. Allez voir la vidéo qu'on avait fait, elle est hyper drôle. Allez, au revoir les gars. Vous faites gros bisous, c'était Ryan. À dans une semaine pour voir le vlog avec Putain Camelon. Oh yeah.